Photo, Beyoncé, Gisèle Bündchen, Heidi Klum, 30 sublimes jambes de stars qui nous font rêver. Pas besoin d'avoir des jambes d'1,21 m comme Adriana Carambeau, ni les cuisses ultra musclées de Beyoncé pour être sexy en robe ou en jupe. Avec les conseils de pros de Jean-Michel Colleux et Cécile Leray des Thermes Marins Saint-Malo et une sélection de produits ciblés, vous aussi faites de vos jambes une arme de séduction massive. Jambes longues et lancées, cuisses et mollets musclés, bronzage impeccable, dans leur robe fendue sexy à souhait, Irina Shayk et Gisèle Bündchen ont de quoi nous rendre vertes de jalousie. Et s'il fallait seulement un peu de rigueur et une sélection de produits triés sur le volet pour sublimer nos jambes? Leçon de beauté avec Jean-Michel Colleux, directeur Thalasso. Gommage hydratation égale la course de fond. Pour avoir de belles jambes, prendre le temps de gommer la peau de ses jambes une fois par semaine avec un bon gommage corps, c'est la toute première étape pour afficher de jolies et douces gambettes. Sous la douce, il faut bien insister sur les zones particulièrement sèches et rugueuses comme les genoux, explique Cécile Leray. Puis, le matin ou le soir, on hydrate quotidiennement avec un soin onctueux type baume ou crème pour les peaux sèches. Le secret, choisir un lait qui sent bon pour transformer ce moment en vraie partie de plaisir. Côté épilation, il convient d'éviter le rasage et la crème d'épilatoire qui coupe le poil et le rend plus dru à la repousse, reprend la pro. Le gros point fort de l'épilation à la cire, les poils s'affinent et sont de moins en moins nombreux au fil des années. Autre option, miser sur l'épilation électrique comme Caroline Receveur récemment devenue ambassadrice de la marque Braun. Tonifier, affiner, galber égal pour avoir des jambes de rêve sur une planche de surf ou un tapis de yoga comme Laurie Tillman, sur le parquet de danse avec les stars pour Fovoto, la pratique sportive joue un vrai rôle dans la beauté des jambes. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les super danseuses Jennifer Lopez, Rihanna et Beyoncé ont un corps de rêve. Pour affiner et sculpter ses jambes avant l'été, l'aquagym, le vélo, le longe-côte et la natation sont les activités les plus plébiscitées. À combiner avec certains soins redoutables pour chasser l'aspect disgracieux des capitons. Soins amincissants, tonifiants ou anti-cellulite, lequel choisir, ils peuvent être complémentaires, explique Cécile Leray. On privilégie un soin amincissant pour lutter contre les rondeurs et on le combine en fin de session aux soins tonifiants si l'on a la peau relâchée, à toujours appliquer avec des manœuvres toniques de massage type palpé roulé ou pétrissage. La touche finale, sublimer ses jambes avec des soins ciblés grâce aux secrets ancestraux de beauté et aux nouveautés produits, plus question de cacher ses jambes. Comme Laetitia Casta, Bella Hadid ou Émilie Ratajkowski, on prend plaisir à les dévoiler. D'abord l'eau de mer pour soulager la sensation de jambes lourdes. Par son action reminéralisante, elle rééquilibre le métabolisme et joue sur l'état général, décrypte Jean-Michel Colleux. Ensuite les laits, crèmes et baumes hydratants, les huiles sèches nourrissantes ou scintillantes ou les sprays auto-bronzants qui apportent de la lumière et gomment plus facilement les petites imperfections. Objectif, des jambes de rêve toute l'année, crédit photo, Best Image et Abac à crédit photo, Best Image chaque jour. Soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir, veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site Bella Hadid.